RTL Matin, la marque du maillot. Bonjour Régis Maillot. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de frapper un grand coup. Allez-y. Oui. À l'instar de certains, j'ai faire du buzz. Je suis venu avec une chronique halal. Halal ? Vous êtes sûr ? Ouais. Alors que signifie une chronique halal ? Déjà, elle a été écrite à jeun. Ce qui est une forme de sacrifice hein, pour moi. Ensuite, cette chronique est tournée vers la Mecque. Regardez. Ce qui, je dois vous l'avouer, n'est pas du tout pratique parce que d'après mon GPS, la Mecque est exactement située à l'opposé de mon micro. Alors, c'est vrai, habituellement à cette heure matinale, j'ai du mal à me relire, mais là, c'est impossible. Alors, je tiens également à préciser que le texte de cette chronique a été abattu sans étourdissement. C'est important de le dire. Le manuscrit a été entièrement dégorgé au couteau. Couteau avec lui. Voilà. Voilà. Car au couteau, je vous l'avise, c'est un peu brutal. Vous verriez dans quel état est mon bureau ce matin. J'ai dû apprendre en urgence le braille pour déchiffrer mon papier. Cette chronique a été rédigée en présence d'un imam qui m'a dicté une blague halal. Alors, je vous la raconte. Ça se passe à Marseille, dans un bistrot. Le client demande « Mettez-moi un perroquet halal ». Le serveur répond « Ça s'appelle une mantalo, monsieur ». Bon, c'est de l'humour halal. Hein. Bon, je garantis aussi qu'il n'y a aucune trace de porc dans cette chronique. Vous pouvez goûter si vous voulez. Hein. Voilà, j'ai éliminé toutes les cochoncetés, ce qui a été très difficile quand on sait ma capacité à verser dans le grivois et ce, des potrons minés. Et enfin, pour une meilleure hygiène et surtout pour garder l'essentiel, cette chronique a été circonscrite. Voilà. À demain, si Dieu le veut. Et pour voir les images du couteau impressionnant de Régis Maillot, c'est sur RTL.fr en vidéo et en podcast. On vous retrouve aussi dans ce livre, Chronique d'un quinquennat, qui paraît chez Michel Lafon. Ouais, ça fait 275 pages de Régis Maillot. Et Régis Maillot également à 11h avec Stéphane Bern. Qui recevra aujourd'hui Thierry Lhermitte. Je peux rester attention au couteau.